Avant que cette vidéo commence, je voulais simplement te dire, frérot, que j'ai un lien YouTube qui est disponible dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, tu vas arriver sur la page de présentation et tu as juste à lire une petite vidéo pour me soutenir gratuitement. Merci à tous ceux qui contribueront. Bon visionnage! Hakai. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle et aujourd'hui on va aller invoquer sur le portail de Baby Vegeta et LR. Alors il y a aussi la team Goku et LR, donc comme on peut le voir Trunks, Pan et Goku GT. Juste en dessous il y a les petits tos du frérot Cass, ils veulent pas, ils s'en foutent des followers sur Twitter etc. Mais je vous mettrai quand même sur Twitter dans la description par principe. Et comme ça si jamais il sort des tos vous pouvez aller le follow pour le voir. Alors on peut voir que sur une multi on a 16% de chance, presque 17, donc 16,96 d'avoir un LR en comprenant les LR hors détecteur et dans le détecteur, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux LR dans ce détecteur qui sont Baby Vegeta LR et la team GT LR. Donc c'est la première fois qu'on a un double LR dans le détecteur en fait, et hors détecteur on a tous les autres LR, donc c'est les LR etc etc. Donc comme on peut voir, nous, on va utiliser 350 DS, donc on va faire 7 multi. Donc pour 7 multi, le taux est de 72,78%. J'espère vraiment qu'on en aura au moins un. Donc les taux sont bons, hein, les taux sont bons. Mais avec les probabilités, il y a toujours une chance pour que ça ne marche pas, les gars. Il n'y a rien de garanti à 100%, mais les taux sont bons. Les calculs ont été faits correctement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas parce que je vais pas drop ce soir ou que vous dropez pas que c'est faux. Du coup, on a 25% de chance, donc une chance sur 4 d'avoir le Baby Vegeta LR. Ou 44% de chance d'avoir un des deux. Et d'avoir un LR détecteur, on a, si je lis bien, on va avoir du 50% de chance. Ok, bon, du coup, on va commencer. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça ferait grave plaisir. Et les frérots qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire aussi. Hop, on va faire disparaître ça. Le détecteur, rapidement, on a une dizaine d'unités dedans, comme d'habitude, avec les détecteurs pour les LR. On va avoir, comme j'ai dit, deux LR dans celui-là, c'est un peu spécial. Donc on va avoir le Baby Vegeta et le Goku LR. Goku avec la team GT, donc on a les GT et tout ce qui est GT, voilà, 7 des enfers, etc., etc. Et on va commencer tout de suite avec la première multi, let's go. Bon, pas ouf l'animation. Bon alors, sur ce portail là, faut savoir que Végéto ça garantit un LR, même un Végéto Super Saiyan simple. Oolong ça garantit un LR aussi. Et Satan sur Boo ça garantit un LR. On a un petit Lee Shenron qui pop, j'ai Omega Shenron avec un doublon sur ce compte, donc c'est pas mal du tout en vrai. C'est pas mal du tout. Et le frérot qui lâche un loot en pleine vidéo, plein de bisous à toi, merci pour le soutien frérot. Plus de chances de drop un LR que de... Aïe aïe aïe, la petite punchline en vidéo l'enfoiré. Pour le Dokkanic les frérots, juste en dessous il y a le site. J'ai déjà acheté le nom de domaine etc, vous inquiétez pas, on fait bien les choses. Mais il y a des petits contrôles parce que le frérot qui travaille dessus en fait, il a bah, tout simplement il a d'autres choses à faire. Puisque bien sûr il est pas rémunéré pour faire ça, il fait ça de bon cœur. Donc il y a un peu de retard mais vous inquiétez pas, ça arrive vraiment incessamment sous peu. Et puis la première multi, bon on n'a pas eu de LR, mais on a eu un petit Lee Shenron qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas mal. On va enchaîner sur la petite deuxième. On espère voir une petite fusion là. Une petite fusion. Attendez, attendez. C'est toujours mon petit plaisir ça. Ah. J'ai pas entendu Végéto. Dommage. Dommage, 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 dommage. Et c'est J3. Et c'est J3, on va s'arrêter à J3. Ok, on a le du coup le Shenron Agi qui sert à monter l'aspect de Omega Shenron quand il est Dokkan. Ou de Lee Shenron si vous le laissez en SR éveillant SSR. Ok, Botamo. Pas terrible cette Muchi, elle m'a l'air pas terrible du tout. Un petit virus qui tombe. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Il fait partie de la catégorie fusion. Pourquoi pas. Bon, on veut un LR, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus vraiment pour envoyer de la luck les frérots. On partage la luck tous ensemble. Gros Genki Dama, vraiment.
Parce que là, ils font LR, les frérots. Ils font LR. Combinaison qui n'est pas ouf, encore une fois. Arc-en-ciel. On est à... Donc, 3 multi sur les 7 qu'on doit faire. On est bientôt arrivé à la moitié, déjà. Bientôt arrivé à la moitié, ça part vite, tout ça. Krillin, Krillin, Pan, Yamcha, les vrais savent Yamcha et la Punch Machine. Bon, les multi a pu un peu le caca quand même. On va pas se mentir. Les multi a pu un peu le caca. J'ai genre un SSR. Ah ouais, les multi, elles sont vraiment éclatées de chez éclatées hein, pour l'instant. Elles sont vraiment éclatées de chez éclatées. Bon. Il y a un marabout qui me maraboute. On va lâcher une multi sur les tickets. Voilà. C'est bonus, c'est cadeau. On va lâcher une multi sur les tickets. Pour enlever le maraboutage en live. C'est pour ça que j'invoque plus en live sur ma version globale. Et la preuve, c'est que j'ai eu deux Gogeta. Voilà. Bon, là, on va avoir rien du tout. Donc, on passe. Ah, bah, il y a quand même un CG God qui est... Enfin, SSJ Blue Vegeta qui est tombé. En plus, je la trouve vachement jolie cette carte. C'est dommage que son Dokkan soit arrivé un peu tôt pour qu'il soit vraiment jouable. Enfin, il est jouable, mais pas terrible. Ah oui. On a vraiment des combinaisons cheloues. Hein. On a vraiment des combinaisons giga cheloues. CJ3. Pas de CJ God. Putain, on avait 73% de chance quand même. Comme quoi, hein, même avec un très bon taux. Parfois, ça veut pas. Hein. Ok, on a eu le baby, donc c'est celui du détecteur. C'est pour ça qu'il y avait l'arc-en-ciel, je crois. Bah, c'est pas le bon baby, en fait. C'est le baby... On s'en fout, c'est le gorille. C'est le gorille. Et on a le bout. Putain. On a le bout, quoi. Il va nous rester 3 multi. En fait, j'ai mal compté, en fait. 350 DS, ça faisait 7 multi. Ouais, j'ai mal compté, je pensais que j'en avais une de moins. Ouh là là, si le LR tombe là, ça serait vraiment inattendu. Il y a que des R dans la multi. Oh, la multi, il y a que des R dedans. Ça se trouve, la garantie, c'est un LR, qui sait. Personne. Chichi LR, lourd. Lourd, la chichi LR. Il nous reste deux multi. Alors, à savoir que les pièces qu'on a ici, on peut les récupérer pour aller acheter un LR au Baba Shop. Donc, on en a 10 par multi. Vous faites le compte. C'est des pièces permanentes, hein, comme celles qu'on avait eues pour le Dokkan Fest de Goku et Vegeta. Du coup, il va vous en faut 500 pour un LR, donc peu importe le LR, hors LR Dokkan Fest, hein, je parle de sel, etc. Donc vous faites le calcul, c'est rapide, hein, 50 pour 10 pièces, il vous faut 500 pièces, donc vous en avez pour 2500, voilà. 2500 DS pour avoir un LR. En soi, vu qu'on garde les pièces, c'est jouable, hein, c'est largement jouable en soi. Dommage qu'ils aient pas fait ça au début de Dokkan. Détecteur, putain, j'aurais aimé avoir un Goji. Est-ce que double bye bye? S'il te plaît, lâche-moi un double bye bye. S'il te plaît. Aïe. Ça va être-il du détecteur? Il y en a 20 000 du détecteur, de toute façon. Majoub. C'est Majoub. J'ai cru que c'était un truc lourd en plus, hein. Quand j'ai invoqué, je me suis dit c'est un truc lourd. Vegeta SSJ2, je vous avais dit, je sentais pas ces multi. Je vous avais dit, quand je le sens pas, faut mieux que j'invoque pas. Bon, la dernière, les gars. On va conjurer sur une dernière fois. On va lancer le multi avec les tickets. N'hésitez pas à vraiment bombarder les likes, à vous abonner. Je suis en PLS. J'ai vraiment rien eu. Il y a Vegeta, imaginez il fusionne. Je rigole, il fusionne. Dommage, ça aurait été beau. Ça aurait été LR garanti. Imaginez le mec qui aurait rien chopé son portail LR, il aurait eu un sur les tickets, genre. Bon, même pas de SSR.
Allez, on va tout faire, on va tout faire, allez. On va tout faire. Comme ça, après... c'est fini. Parce qu'en soi, on peut choper des LR aussi sur celui-là. En soi, on peut choper aussi des LR. Bien que ça soit plus rare. Bon, la dernière Michi. The Last One. The Last One. The Last One, les gars. La dernière Michi. Vegeta. Ah, s'il te plaît, Vegeta. S'il te plaît. Punaise. S'il te plaît, transforme-toi. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est le 17 qu'on a déjà eu. Wow! Nice! Nice! Nice, elle est venue de nulle part. Il est venu de nulle part, putain. La dernière multi, bordel. La dernière multi. Yes! Yes, on l'a eu. Yes, punaise. Oh là 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 là. Magnifique. Enfin. Enfin, putain, j'étais en train de chialer. Hein, comme quoi les taux de casse ils sont vrais, voilà. On avait 25% de chance de l'avoir. Oh, plein de bisous casse. Ah, je suis content les gars. Ah, depuis tout à l'heure je voyais les persos défiler. Je me disais c'est pas possible. Je me disais c'est pas possible les frères. Je me disais c'est pas possible. Baby Vegeta qui est vraiment incroyable. Que ça soit dans l'extrême magie ou dans la team dans sa team. Il est increvable. Il est vraiment increvable, incroyable. Incroyable les frérots. Incroyable. Imagine la deuxième. Elle est, il est sorti. Il n'y avait aucune animation genre. Il est sorti de nulle part. Et on finit avec une C18 tech. Allez, pour le fun on va lâcher une single. Pour le sport. Pour l'e-sport. Pour l'e-sport on lâche une single. Parce que tout le monde sait que je suis genre pro Dokkan Battle. Semi-pro. Semi-pro Dokkan Battle, voilà. On le sait tous. Bon d'accord. Je me suis enflammé, d'accord, je me suis enflammé. Bon, écoutez, on va se quitter sur cette single. En tout cas, ça fait plaisir. La dernière multi, on a drop le Baby Vegeta LR. C'est juste incroyable. Ça fait plaisir hein, d'avoir cette petite tension à la fin et qui pop. J'aurais préféré un Vegeto quand même pour la hype, mais... voilà, c'était assez inattendu là, c'était cool aussi. Donc les frères, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas vraiment à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait grave plaisir. À vous abonner aussi pour être au courant quand je sors des vidéos. Voilà, c'est gratuit, ça prend 2 minutes et ça soutient énormément la chaîne. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite beaucoup de luck. D'ailleurs, le lien du YouTube est dans la description. Tu regardes un petit peu pendant 2-3 secondes et ça fait un don gratuitement. N'hésite pas aussi, ça fait plaisir. Et puis voilà, plein de bisous, à la prochaine. Ciao, ciao. Et plein de LR.